Bonjour, bienvenue à un nouveau mukbang avec Katie. Ce midi, on mange. Elle mange des pizzas pochettes, des pépéronis de fromage, je crois. Non, juste. En dress? Non, juste pépéronis. Il n'y a pas de fromage, ça c'est du fromage. Pépéronis de fromage. Mais non. Oui, il y en a dans toute Katie. Il n'y a pas de pizza pochette qui existe sans fromage. C'est toute une sorte plus un fromage. Il y a du fromage. Bon. Désolée. Et moi, je me suis fait un riz asiatique avec des poivrons, des oignons, de l'ail, des épices et du tofu sucré avec du riz. Yum! On s'entend que mon repas est un peu plus santé que le sien. Hey! Mais c'est vrai. On s'entend que ça va bien plus vite que toi. Hein? Je veux dire. Parce que j'ai déjà commencé à manger. Ah, ouais, mais c'est parce que tu manges lentement aussi. Fait que... Oh. Parce que là, c'est chaud, mon affaire. Oh! Un matin, j'ai fini avant toi. Peut-être que là, je vais finir après toi. Je sais pas. Je m'étonnerais que tu serais avant moi. D'accord. Fait qu'un matin, on n'a pas fait grand-chose parce qu'il fait super froid dehors, mais on a fait du coloriage. Puis Kylie, elle a joué à des jeux sur l'ordinateur. Pas vrai. Elle a fait des dessins sur un tableau que j'ai. Donc, goûtons. J'ai peur que ça soit trop chaud. C'est bon. Ma cœur est trop grosse. J'aurais pas mangé des petits. C'est chaud! Mais oui, Kelly, ça laisse une grande. Souffle, ouvre-la. Moi, c'est ça que je faisais. Tu l'ouvres, là? Ben oui, bien, j'ai un trou. Ouais. Mais moi, je le vois plus que ça. Je le vois au complet. On va poser des questions. Je vais te poser des questions puis tu dois répondre, ok? Ça s'appelle un tag. On appelle ça comme ça. Des tags, c'est quand on pose des questions et on y répond, ok? Ok. Et ça s'appelle j'aime dormir tag, ok? Fait que ça va être des questions sur les deux dos. Ok. On va répondre les deux. Première question. C'est quoi ta routine avant de faire dodo? Je prends mon dessert. Mm-hmm. Je me brosse les dents. Mm-hmm. Et maman me borde à me lire une histoire où elle me fait des loups. Mm-hmm. Puis après, je m'endors. Yeah. Moi, ou sinon, si je m'endors pas, je juste aller des livres. Okay. Parce que j'ai une lumière. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube. Quand même ma routine du soir, je vais aux toilettes, puis c'est ça, dans le fond. Elle a fait pas grand chose. Ben, non, pas vraiment. Mais quand je suis là, oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu peux pas dormir, tu arrives pas à dormir, qu'est-ce que tu fais? Moi, soit que je lis des livres, ou soit que je joue avec mes jouets. Moi, je me lève, je fais d'autres choses pour essayer de me fatiguer ou je regarde des vidéos, puis souvent ça m'endort à cause de l'écran. C'est quoi ta position préférée pour dormir? Hein? C'est comment tu te places pour faire dodo que tu aimes le plus? Je peux pas te dire parce que à chaque jour, je. C'est différent? C'est différent, ouais. Moi, c'est les deux bras en dessous de l'oreiller, puis la jambe gauche levée, genre. Mais en fait, non. Puis? Moi, je mets mes mains, puis là, je m'installe allongée, sinon je suis pas bien. À quelle heure tu te lèves le matin?
Maintenant, maman a dit que je me lève soit à 8h, soit à 9h. Ok. Moi, je me lève à... Quand je vais à l'école, je me lève à 6h. Puis quand je vais pas à l'école, je me lève à 8 ou 9, tout dépendamment de si j'ai dormi tard ou pas la journée avant. Est-ce que toi, t'es du genre à dire à maman, oh, attends 2 minutes, ou tu te lèves tout de suite comme ça? Si, admettons. Ben, si, admettons, c'est l'école qui me lève super tôt, je suis comme non! Mm-hmm. Je veux pas me lever. Quel genre de choses bizarres que tu fais quand tu dors? Est-ce que tu sais si tu fais quelque chose de spécial quand tu dors? Maman, t'as-tu déjà dit? Moi, oui. Je sais que je parle énormément. Oui, c'est que quand je dors avec ma mère, j'embarque dessus. C'est vrai que c'est drôle. Ok. Combien d'oreillers tu dors dessus? Deux. Moi aussi. Une, c'est pas assez. Hein? Une, c'est pas assez. Puis trois, c'est trop. Fait que deux, c'est en masse. Qu'est-ce que tu portes comme pyjama? Quel type de pyjama? Moi, ça dépend de l'été et ou l'hiver. L'hiver, c'est des pyjamas chauds et des longs avec des chandails longs. Moi aussi. Puis quand c'est l'été, je porte genre. Comme juste un champ, une jaquette. C'est quoi la grandeur de ton lit? Est-ce que tu le sais? Non. Elle, son lit, c'est. Mais son lit dans sa chambre, ce serait un simple. Mais quand elle dort avec sa maman, c'est un lit king. King? Non, queen. Ben, il reste juste ça pour mes pieds. Ok. Est-ce que tu fais dodo avec ou pas de bas? J'ai jamais vu des gens. Jamais de ma vie. Moi non plus, je me sentirais trop coincée. Okay. La première chose que tu fais quand tu te réveilles le matin? Ben, je mets ma robe de chambre, puis je mets mes pantoufles, je vais manger, puis après je m'habille, puis après je m'en vais à l'école. Moi, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je vais aux toilettes. Parce que quand tu te lèves, t'as toujours envie. Quand je me lève, puis je vais aux toilettes. Des fois, j'ai jamais envie le matin. Parce que pour moi, j'ai pas beaucoup bu le jour d'avant. Est-ce que tu rêves à tous les soirs? Des fois. Non, ça se dit à tous les soirs. Oui. Tu rêves à tous les soirs? Ouais. Sérieux? Ouais. À toutes les nuits, t'as un rêve. Cette nuit, t'as eu un rêve. Ok. Moi, non. Est-ce qu'il y a un rêve ou un cauchemar en particulier que tu te souviens? Comment que t'as fait peur? Ouais. Ouais, quoi? C'est. J'ai pas beaucoup d'en parler. Ok. Moi, c'est. J'avais 14 ans. J'habitais avec ma grand-maman. Puis j'ai rêvé qu'elle mourait. Puis là, je me suis réveillée. Puis j'étais sûre qu'elle était morte pour de vrai. Comme c'était tellement réel, mon rêve, que quand je me suis réveillée, j'arrêtais pas de pleurer. Puis là, je suis descendue pour voir si elle était vivante. Puis elle était comme, oui, ça va, je suis correcte. Puis j'arrêtais pas de pleurer. Puis malgré que je la voyais dans ma face, j'arrêtais pas de pleurer. On dirait que j'étais comme plus là. C'était vraiment traumatisant. Ok, je vais en parler. C'est parce que j'étais à un restaurant avec ma mère. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, on sort. Puis là, on se fait courir après. Puis là, je dis, maman, viens-t'en. Puis là, elle s'est faite mal. Là, je vais la chercher. Puis là, je l'aide. Puis là, à un moment donné, je me fais pousser. Puis elle se fait enlever. Mm-hmm. Là, je me réveille le matin. Là, je me demandais
comme si, admettons, sérieux, qu'on est allé à un restaurant hier. Puis à un moment donné, j'en ai un autre que ça a été pire, là. Le plus pire. À un moment donné, je rêvais tout était normal. Puis là, je me réveillais pas. Puis là, il y avait plein de monstres. Là, j'étais comme, faut que je me réveille, mais là, Mais t'arrivais pas à te réveiller? ouais, j'arrivais pas à me réveiller Oh parce my que. god, ça c'est horrible. Ouais. Il y avait plein de monstres qui me couraient après. J'étais comme, faut que je me réveille, faut que je me réveille. Puis à un moment donné, je me réveille. Là, je regarde partout dans la maison. Je suis comme, est-ce que je suis encore dans mon rêve? Là, je check partout. Là, je dis, ok, non. Ok. Une chance, hein? Mais j'avais tellement peur, là. Je me réveillais pas parce que c'était la nuit. À quelle heure tu te couches? Quand j'ai congé, ça dépend. Parce que des fois, je joue avec mes amis dehors. Ok. C'est la nuit. Moi, je me couche à. La semaine, je me couche à minuit. Ou plutôt, si je suis vraiment fatiguée. Le fin de semaine, à peu près la même chose parce que je suis tellement habituée, tu sais, de me lever puis de me coucher à la même heure que mon cerveau, tu sais, il fonctionne comme ça. Je pense que c'est tout. C'est la seule question qu'il y avait. Fait que c'est ça, une question. C'est intéressant, hein? Oh, c'était bon, je suis pleine. Ben, tu parlais tout le temps. C'est normal. Mais moi, j'avais faim, là, j'étais affamée. T'avais mangé des raisins en plus avant. C'est toi qui as soupiré? Non. J'ai préparé le dessert. Oui! On revient.